petit passage. Tiens, qu'est-ce que t'avais toi? Oh, ben, soin profus. D'ailleurs, en parlant de soin, je vais faire. Celui-là est à moi. Oh, il est où celui-là? C'est le prix, va. Je peux même pas chercher dans mon inventaire hein, ce que je voulais. Oh, les potions. Ah, tiens, un poison paralysant. Ce sera sans moi sa portée. Les soins légers, les soins profus. La vigueur concentrée, la vigueur profuse, on s'en fiche. La magie concentrée, je les bois. L'invisibilité, bon, pour l'instant, j'ai pas eu besoin. Je le garde. Voilà. Bon. Attention. Je cherche mon acolyte. J'aimerais bien qu'il nous rejoigne quand même. Oh merde, un marteau de fer. Que j'en ai à faire des marteaux. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Fou. Belle caverne. C'est ici que je suis tombé. Ça me paraît si lointain. Ah, c'est d'ici que t'es tombé en fait. Eh, hey, c'est mon arc. Là, sur ce rondin. Je me demandais où il était passé. Il y a ton arc sur le rondin là-bas. Mais qu'est-ce que t'as été foutre là aussi, toi? Sans déconner. Ah ouais, d'accord, je vois ton arc. Je vais le récupérer parce qu'à mon avis, s'il y a un truc intéressant, ce sera là. Zephyr, il s'appelle ton arc. Ah, il était tombé depuis ici en haut, d'accord, ok. Oula, j'ai failli tomber moi aussi. Prenez-en soin pour moi. Montre ton arc, s'il est bien. Ouais, il doit être bien vu qu'il a un nom. Arc Zephyr. Tire 30% plus vite que les autres. Oh, mais ça m'a l'air intéressant ça. Donc voilà, j'ai l'arc Zephyr. Mais je voulais aller voir une petite caverne que j'ai pas été voir avant de continuer ici, parce qu'apparemment c'est ici qu'il faut continuer. Mais j'ai pas été voir la caverne là en haut. Là, il n'y a rien. Ça continue par là. Là, il n'y a rien. Oula. Attention, vous mettez les pieds. Attention. Qu'est-ce que c'est ce truc empalé là? Minerai, diamant, de l'or. Ouais, la vigueur, je m'en fiche. D'accord, je suis revenu à cette pièce centrale. J'ai cherché le coffre, hein, oui. On va faire une petite sauvegarde rapide, hein, au cas où, sur une mauvaise manip, je tomberai dans le vide. Vas-y, vas-y, recule-toi un peu. Oui. Qu'est-il arrivé à cet endroit? Elle n'a pas toujours été dans cet état lamentable. C'était la cité d'Ouémer, la mieux conservée de bord de ciel. Jusqu'au tremblement de terre. Quel tremblement de terre? Maintenant, vous aurez de la chance de trouver une salle intacte. D'accord. Y a-t-il des dangers que je devrais connaître? Eh bien, il y a les Falmeurs, pour commencer. Des rapides mortels, des séismes, des gouffres énormes, des zones instables, des chutes fatales. Oh ben ça va. Mais nous parlerons du vrai danger plus tard, s'il y a lieu de le faire. Il y a pire que ça. Comment t'as trouvé... Mais nous parlerons du vrai danger plus tard. Moi je voudrais savoir comment t'as trouvé la mort. Je suis tombée quand le séisme a frappé. Le sol s'est ouvert sous mes pieds. Ah ouais, en fait t'as plus de chance quoi. J'aurais pu m'en sortir.
Un mètre plus à gauche et l'eau aurait amorti ma chute. Malheureusement, la chance n'était pas de mon côté. Bon, bon, ok. Bon, comme ça, on connaîtra un peu ton histoire, hein. Pousse-toi, voilà. J'ai pas chuté juste pour dire de... Hop là, j'étais arrivé par où, par là. Saute. Donc, c'est ici que j'ai trouvé ton arc. Et maintenant... Je vais aller voir ce qu'il y a un peu plus loin. Dommage que la cité ait été détruite, t'étais. Ah ouais, putain. Wow, quand même. Ah ouais. Quelques créatures en bas. Mais en attendant, putain, elle est jolie celle-là. Cette caverne. Mon acolyte va arriver au dernier moment. Tous les coups. Personne. N'ayez pas peur, montrez-vous. Attendez, nous devons parler. Ah. J'ai mentionné une dernière épreuve. La voici. Vous savez ce que c'est? C'est une serrure harmonique, à la fois simple et redoutable. Vous voyez les résonateurs là-haut? Frappez-les dans le bon ordre et les portes s'ouvriront. Faites une erreur et... Enfin, vous avez vu ce qui m'est arrivé. Le tremblement de terre. Hein. Je pensais être bien préparé. Mais qui aurait pu prévoir un tremblement de terre? Et ce n'était qu'un piège parmi tant d'autres. Regardez autour de vous. Qui sait quel danger pèse sur vous? Un conseil? Eh bien, vous pourriez reprendre là où je me suis arrêtée. Mes notes doivent toujours être dans mon journal, si vous savez lire. Ah oui. Mmh. Autant pour moi, j'ai pas encore eu. Peut-être que l'un de nos prédécesseurs a un indice. Bon, mais on s'en fiche de ça, hein. Qu'est-ce qu'elle me dit? Faut faire un truc harmonique, là. D'accord. Alors, en haut, il y a trois... objet qu'il va falloir toucher à l'arc. C'est génial, moi qui suis nul à l'arc. Ça va être super. Là, j'avais vu qu'il y avait un petit passage là-dessous. Voilà, et comme tout explorateur, j'ai vérifié tous les petits passages. Qui remène... ici... Hop, un petit F5. Ça c'est pour voir où je suis. Hein. Ouais, donc là je peux tomber directement dans l'eau. Bon, rien d'intéressant en fait, hein, ce petit passage. Il y est, je pense, c'est pour sortir plus rapidement si on n'arrive pas à faire. Mais bref. Bien, une petite serrure harmonique. Dans les squelettes, qu'est-ce qu'il y a? Un peu d'or. Ouh là, d'accord. Je pige comment ça marche, en fait, ici. Les flèches de ma mère. Je vais les prendre. Parce que je pense que j'en aurais besoin de flèches. Hein.
plupart de ces serrures en ont une. Ouais. C'est bon, j'aurai assez de flèches. Bon, ouais, on va essayer de trouver la logique. Attends. Je t'ai fouillé, toi? Non, je t'avais pas fouillé. Il n'y a pas des... des Falmer? Fiez-vous à votre chance et tentez le sort. Ouais, ouais. Je ne serais pas surprise que la moitié de ces pièges ait déjà été déclenchée. Ah oui, ça c'est sûr. Ah, mais t'es... c'est toi le... c'est toi le dernier aventurier à être venu ici. Non, non. Je veux juste chercher. Je me nourrirai jamais. Donc, il avait un morceau de papier. Donc. Allez, c'est parti. On va faire un peu de lecture. Alors, le livre de... je sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs. Oh, cette collecte de livres, encore. Alors, le journal côté, journal d'Alecantar, journal de Catria, elle s'appelle. Ouf. D'accord, il y a 5 sites différents, en fait. Tardzel, Betardams. Betardams, c'est un site plus petit situé au nord et au nord-est sur le fleuve. Source d'Aetherim extrait des mines plus profondes. Un site de stockage d'Aetherim brut situé aux portes d'une grande cité. Il fallait apparemment entreposer à l'extérieur car il était harmoniquement instable. Et c'est lequel l'harmoniquement instable? Le 4. Et le 5, pas de nom d'identification, pas des pages entières de schéma illisible. Non, mais des pages. Pas plus déchiffrer grand chose. Astrolabe. Ah oui, c'est une forge spéciale apparemment. Salle du trésor. Serveur harmonique, elle est encore active. Jugée par ses cadavres, je crois que les pièges le sont aussi. Impossible de trouver la moindre indice, je vais devoir faire un chemin et procéder. Prudemment, à tâtons. 5 résonateurs, 5 tons. Je dois les frapper dans un bon ordre. Voyons voir. J'ai même pas vu qu'il y en avait 5 déjà, moi. Moi j'en ai vu que 3. Bon. Alors. 1 en bas à gauche, 2 en bas à droite. D'accord, elle s'est arrêtée à 2. Bon bah voilà, j'ai les deux premiers déjà. Oh merde, j'aurais pu peut-être lire les autres pages. Cet elfe est une vermine de la pire espèce. Qu'il se me dit, il vole mes notes, ma découverte et les publie sous son nom. Mais rira bien qu'il rira le dernier, Taron a peut-être volé ma théorie, il n'y a pas encore trop aucune preuve. Donc il cherche la forge. Voilà. Vieux livre pour récent de Mzunde. Voilà, ça c'est lu. Et il n'y a pas d'autre page. Ok. Et la note de l'autre mec. Je viens de ramasser une note. Morceau de papier. Voilà, d'accord. Un 2 et 3 au milieu. Bon, il y en a 3 notes harmoniques. Oh, d'accord. Là-bas en haut, mais je les atteindrai jamais, moi. Il faut vraiment être archer pour faire ce site. Hein. Ah, toi, je sens que tu vas venir me chercher des noises dans pas longtemps. Ça, c'est une entrée. Je pense qu'en tout premier, c'est lui qui va arriver pour m'attaquer. D'accord, bon, ben. C'est parti. Allez, c'est parti pour un petit moment de folie. Ouais, mon super arc. 14 ans de dégâts. On s'en fiche des dégâts.
une des super flèches par contre. Un. Deuxième, c'est celui-là là-bas. C'est bien. Troisième. Ah ben là, au petit bonheur la chance. Hein. Raté. Raté. J'espère que ça tient un moment parce que vu que j'ai que dalle comme compétence à l'arc. Oh putain. L'arbalète là-bas qui est pile-poil en face de moi. Yes, 3. Allez, au pif. Celui-là, les 4. Les 5 en... Oh là là, comment je fais pour viser ça là-bas en haut? Oula, doucement. Plus que deux flèches des draps. Oui, mais continuez. J'essaie de me mettre en position pour continuer. Ah, voilà, là je vois un peu. Me pousse pas, s'il te plaît. Hein. Au moment où j'essaie de viser alors que je suis nul à l'arc. Raté. Dernière flèche. Yes. Presque. Oh, ça y est, j'ai trouvé. Putain, du premier pet. Ben, c'est normal, vu comment j'ai fait. Ah, ben, t'as ma flèche orc. Oh, trop fort. Du premier pet. Ah ah. Et par là, il n'y a pas de coffre non plus. Nous y voilà. Bien. Qu'est-ce que c'est ce truc? Noyau d'énergie. Un rouge vif comme ça? Celui-là, je ramasse. Hein. Un peu de métal de la mer. Le gyrostat, je m'en fiche. Ça, je m'en fiche, Fragment d'Aetherim. Je sais pas du tout ce que c'est, cette quête. Hein. Ainsi, ce n'était pas qu'une légende. Apparez-vous du trésor d'Arkdam. Alors quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez sur le bord. Une partie a été découpée avec précision. Si vous aviez un autre fragment de taille similaire, il s'y emboîterait parfaitement. Ça me rappelle un croquis que j'ai vu. Ce fragment, il fait partie d'une clé. Une clé d'Ethereum pure. La clé de la forge. Qu'est-ce que c'est donc? Que fait-on maintenant? Nous devons trouver les autres fragments, bien sûr. Il devrait y en avoir... 3 de plus. Un pour chacune des 4 villes qui utilisaient la forge. Oh la merde. J'avais une carte dans mon journal. On devrait commencer par là. Oh, mais voilà, mais j'ai déjà... Nous devons encore trouver la forge elle-même. Mais j'ai une piste là aussi. Il y a tant à faire. Je vais chercher un peu de mon côté. Nous nous reverrons bientôt, j'en suis sûre. Pour la première fois depuis longtemps, je crois que j'ai... que nous avons une chance. Et c'est à vous que je le dois. Merci. Oh, de rien. Ça m'a fait plaisir. Bon. Et voilà, hein. Une quête de longue haleine que je viens de découvrir. Moi qui voulais faire une petite quête tranquillou. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Arc impérial béni. Ouais, non. La couronne non plus. La masse de vêtements non plus. Là, il y a un coffre. Hein. Couronne d'or, l'or d'émeraude. Tiens, là. Vraiment, parce que j'ai mérité ce trésor. Hein. Alors, crochetage majeur. On s'en fiche. Bon, allez-y, parce qu'il vaut des sous quand même. Le parchemin. J'ai de la place pour porter des objets. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Rien? Bon. Ouais, je prends. Ça me fera des objets à vendre. Allez. Bon. Si on regardait ce fragment, hein. Parce que ça m'intrigue cette quête. Fragment d'Aetherim.
Elle m'a dit qu'il y avait 3 ou 4 autres fragments. Alors je sais pas du tout jusqu'où va nous mener cette quête. Mais bon, faudra bien la faire à un moment ou à un autre. Perdu dans les âges. Bon, il va falloir que je lise le bouquin sur l'Aetherim, hein, parce que je sais pas du tout de quoi on parle. Je sais pas si j'ai déjà lu d'ailleurs. Non, je crois pas. Ça me dit rien. Enfin, le livre, ça me disait quelque chose. Je sais bien avoir pris ce livre quelque part, mais... Petit F5. Plouf, et voilà. Comment on tombe dans l'eau. Bon, c'était pas par là la sortie. Mais sûrement comment c'est pas le meurtre. La chute aussi. En fou, j'ai trouvé la... une arme spéciale. Ah mais c'est la cascade ce... que j'ai pas été voir l'autre fois tout à l'heure. Hein. Hop. Donc je sais où faut que je grimpe. Hein. Mon acolyte, je sais toujours pas où il est. Allez. Ah voilà. C'est pour ça que j'aime pas les tuyaux. Parce que... Qu'est-ce que tu veux? Marcher sur des tuyaux. Allez. Faut surtout pas courir normalement. Ouais, super. Ça, c'est le truc que j'ai jamais aimé dans ces jeux. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Un orc se bat jusqu'à la mort. Allez là, les défis valent la peine d'être relevés. Ouais, t'as l'air super malin, toi, de t'être bloqué là avec la. Avec le courant. Sans déconner. Allez. Provocatria. Bon, on se retrouve à la sortie, hein. Un super acolyte. Bon, comme quoi, j'ai une nouvelle quête. À m'occuper, on va se planter. Bon bah... En fait le truc c'était tout simple, hein. C'était en bas à gauche, en bas à droite, en haut à gauche, en haut à droite et en bas au milieu. Et voilà.